It's my life. It's now or never. Jusqu'à 840 passagers, un village, dans cette machine somptueuse, dans ce navire du ciel. Le monde est privilégié, jusqu'à 14 pour qu'il n'y ait pas de voyage. Aujourd'hui, on sait souvent que le monde appartient à tout un chacun. C'est toute l'aviation, c'est un fait de civilisation. I created a toast to France, Majesty of the de carburant, des milliers de lignes nautiques, des vitesses de croisière, c'est leur métier, c'est leur quotidien, mais il y en a d'autres qui se sont occupés tout en étant un aviateur des plus normaux, faisant une carrière finalement sans histoire, avait quand même donné un sens à cette activité. J'ai senti qu'un jour le monde changerait et changerait en profondeur grâce à ça. Grâce à la capacité de les humains d'occuper la terre et d'enfoncer un petit carnet de vie quelque part. Parce que les avions sont faits pour ça, ce sont des passeurs qui nous amènent à travers le monde. Et super, madame Bollon. Je le disais tout à l'heure, j'ai 40 ans, il va falloir qu'on vive avec. Voilà donc un géant et une présentation tricotée avec une précision invraisemblable et un sens artistique de la trajectoire. Cette présentation a été dessinée par Claude Mollet, qui l'a effectué pour jouer avec l'avion d'hiver de la dernière présentation en vol de Claude Mollet, sachez que vous venez de voir voler en France. Quelqu'un qui, avec une élégance et une honnêteté effarante, a su mettre en valeur ces merveilleuses machines volantes qui changent le monde. Évidemment, dans l'avenir, les Airbus 380, on les verra continuer d'évoluer en volant. Les 380 ne sont pas encore entrés en service, mais c'est pour dans quelques mois. Ensuite, il y aura des versions, de nouvelles versions. Il y aura d'abord les...